Bon bah c'est bon, feu alors. Normalement je crois que c'est bon. Bon, bon bah merci les gars. Fais ça bien. Ouais, merci. Eric, ouais. Bonne continuation. J'espère que ça tiendra sur la Ouais, suite. J'espère aussi. Ok, donc on est rentré dans la zone de déclenchement des 24 heures à 18h56. L'équipe technique qui arrive. On te manquait. Ouais. C'est super beau ici, c'est des couleurs de ouf. Je suis déjà venu il y a 10 ans pour la Volvo Ocean Race. Voilà, l'idée c'est pas de faire du tourisme, on n'est pas là pour ça. On a 24 heures top chrono pour réparer et repartir. Donc voilà, on prend l'aventure comme elle vient. Je sais pas, on est arrivé minuit et demi là, de l'avion. Et après on est monté à bord, et puis après on s'est attaqué à tout ce qu'on pouvait avec Elliot. Des petits trucs qu'on avait un peu à droite à gauche, pour pas faire trop de bruit pour Eric. Et puis au petit jour, on a commencé à attaquer la pièce. Qu'est-ce que j'ai fait du bouchon là? Ça sent que je suis fatigué. Là. Dès que je commence à perdre des trucs, mon téléphone, mon Leatherman, des petits trucs comme ça, ça veut dire qu'il faut que j'aille dormir. Celui-là, ça fait 28 heures ou plus que j'ai pas dormi. Ouais, c'est un peu spécial, c'est un peu lunaire. Hein. Toi, t'es dans le mode, on a 24 heures, faut que ça déboule et tout. Puis t'arrives dans un autre monde en fait où toi tu viens à terre, t'es comme un Pékin, t'es démuni complètement. Tu sais même pas si t'as le droit d'aller à terre. J'ai pris une douche et fait une machine et puis j'ai fait un petit resto, mangé une bonne viande dans un restaurant portugais. Il y a d'ailleurs Manuel arrive. Et c'est reparti sur le bateau. On repart en mode course et un tour du monde à finir. Ça y est, on va chercher le coureur d'océan, le tour du mondiste. Et là, on a quelque part, avec nos petits moyens, nos petits bras et beaucoup d'énergie, on a répondu à un pit stop éclair. Et franchement, je dis bravo. Et moi, ça me regonfle encore plus de se sentir épaulé comme ça. Et puis maintenant, à moi de pas décevoir mon équipe. Quoi. Donc, gasoil, c'est bon. L'hydro, là, il est en place. Ouais, j'ai remis en place. Et t'es au prêt, là? On est prêt pour aller à la ligne de départ et après, ça va bas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? L'inter c'est fait. Bon bah c'est bon. Feu alors. Normalement je crois que c'est bon. Bon. Bon bah merci les gars. Fais ça bien. Ouais. Merci. Eric. Ouais. Bonne continuation. J'espère que ça tiendra sur la Ouais fait. J'espère aussi. T'as raison. J'espère aussi, soyez bon. Profitez bien. Choisir. Cool. Ah, super. Thank you Mike. Allez. Voilà, fin de l'escale technique, 24 heures. Chrono se sont écroulés. Et on est parti, En tout cas, merci à tous les sponsors, évidemment, qui me soutiennent et je l'entends jusqu'ici. C'est vraiment fort agréable de se sentir soutenu, ça nous donne des ailes. Merci à toute l'équipe, parce que là, il y a eu un boulot de ouf et une coordination exceptionnelle. Donc super, bravo. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à, c'est mon tour. Top.